Tu la bouges, ta caisse, ouais. C'est pas un volca keys en fait, c'est un volca sirène. Excès de LFO, mon petit, vous savez jusqu'où ça peut chercher? Waouh, c'est mortel. C'est cool, le dynamisme, tout ça. Bienvenue dans la boîte. Welcome to the box. C'est l'anglais, je vous expliquerai. Les langues étrangères. Ouais. Jean-Michel, y a pas de boîte? Comment ça, y a pas de boîte? C'est la boîte. Dans la boîte avec Knarf. C'est moi. Je suis Knarf. Il devrait y avoir des boîtes. C'est pas possible, on peut pas faire cette émission sans boîte. Quoi? Ils sont derrière. Tu les as sortis des boîtes? Mais Jean-Michel, c'est pas possible en fait. Faut que tu me balances les boîtes, comme ça j'ai les boîtes. Écoute bien, c'est la dernière fois. Alors que j'en prenne des Volca, y en a plein, c'est vrai qu'il y en a plein. Un Volca Mix, un Volca Keys. Oh, Volca Basse. Volca Basse. Bah allez, un Volca Beat. C'est parti. 4. Ah, regarde, lequel est lequel? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, 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 hop. Lequel est lequel? Bon, vous avez déjà dit que c'était un cirque, cette boîte. Allez, c'est parti. Si on les branchait, ça serait mieux, non? Bon, les Volca, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les synchroniser entre eux, et quand on a un Volca Mix comme celui-ci, on peut non seulement alimenter l'ensemble de ces Volca, mais on peut aussi les synchroniser puisqu'on a un petit bouton play avec trois tranches, deux tranches mono, une tranche stéréo. Pour pouvoir synchroniser tout ça, c'est hyper simple, il faut des câbles. Des câbles ! Alors, il y a des câbles audio et il y a des câbles d'alimentation. Câble d'alimentation, comme ça, et câble audio, comme ça. Donc, première chose, alimenter. Donc ici, vous avez trois alimentations. Donc je vais commencer par alimenter d'abord mon Volca Beats. Ensuite, j'alimente mon Volca Keys. Et en dernier, le Volca Bass qui est là. Bam! Voilà. Alors après, il y a l'audio. Donc l'audio, ça sort par les sorties casques sur les Volca. Donc là, je vais commencer par alimenter ma première tranche ici sur cette piste là. Ensuite, je vais mettre la basse via la sortie casque sur la tranche 2 de mon Volca Mix. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon Volca Keys sur la tranche stéréo 3-4 qui est là. Super. Pour synchroniser l'ensemble, il faut utiliser les entrées-sorties sync. La règle est assez simple. Quand on veut synchroniser un Volca avec un autre, il faut que celui qui est maître utilise la sortie sync out et celui qui est esclave utilise la sortie sync in. Donc je vais prendre le Volca Mix comme maître de l'ensemble du setup et je vais prendre sa sortie sync out ici, la mettre dans le sync in du Volca Beats, le sync out du Volca Beats dans le sync in du Keys et le sync out du Keys dans le sync in du Volca Bass. Voilà, il n'y a plus qu'à alimenter l'ensemble. Là, j'ai une alimentation générale que je peux mettre directement sur cette prise-là. Et puis pour que vous puissiez entendre, je vais brancher ce petit jack blanc sur ma sortie casque de Volca Mix. Allez, c'est parti. Le Volca Beats, c'est OK. Le Volca Keys, c'est OK. Le Volca Bass, c'est OK. Tout le monde est OK. Normalement, si j'appuie sur les boutons play de chacun d'entre eux et que je fais play ici, ça démarre. J'adore. Eh, tu te calmes. On travaille ici, hein, ok? Je vous parle un petit peu du Volca Beats parce que c'est un appareil assez sympa. On a une partie qui est analogique, donc vous voyez kick, snare, low tom, high tom, claves, il y a plein de sons en fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a certains qui sont analogiques, d'autres qui sont numériques et on va pouvoir comme ça avoir différents types de sons. Donc si je le démarre, ça donne un truc comme ça. Regardez. Donc j'ai le son de mon kick que je peux modifier. Vous voyez là par exemple, si je peux aller sur le kick, je peux rajouter des kicks. C'est cool. J'adore. Excellent, vous voyez, rajouter des steps, c'est extrêmement facile, évidemment. Mais après, il y a cette fonction step jump ici, fonction, hop. Et en fait, je peux aller dans un où je veux dans la séquence.
Enfin, voilà. Très fun, très facile, vraiment, vraiment marrant. Et puis, des petits boutons pour pouvoir paramétrer ces sons. Alors, évidemment, vous avez déjà des motifs préenregistrés, des patterns préenregistrés. Quand vous appuyez sur Memory, là, vous avez des mémoires. Et quand vous appuyez dessus, ce sont d'autres séquences. Alors, un truc sympa du Volca Beats, c'est cette fonction stutter qui est là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, avec le séquenceur, on peut automatiser pas mal de choses, dont l'activation de la fonction stutter. Vous voyez, il faut juste appuyer sur Motion Rec ici. On se met ici, Motion Rec Stutter. Il est allumé, donc ça veut dire que si je fais Record, Memory. Tiens, une autre. Ouh. Ensuite, je peux aller paramétrer le son de chacun des sons. Je vais aller sur la caisse claire. C'est très sympa. Le Volca Bass, c'est un peu le même principe en fait. Vous allez avoir un son de basse et ce que j'aime bien dans le Volca Bass, c'est qu'il y a trois VCO. Trois VCO et avec ces trois VCO, en fait, on peut faire du paraphonique. Donc ça vous permet de faire plusieurs notes sur une seule note de séquence. On peut les paramétrer soit séparés, soit groupés en deux, soit carrément en une seule voix. Donc là, si je les mets séparés, ça veut dire que je peux aller choisir indépendamment VCO1, VCO2, VCO3, et puis faire une séquence spécifique avec chacun d'entre eux. Et là, on peut paramétrer évidemment le filtre, la résonance. Et là, la résonance sur le Volca Bass, c'est un truc de malade, quoi. En fait, à partir du moment où on dépasse les trois quarts, ça devient hors de contrôle. Et là, c'est pareil, j'ai des mémoires en fait. Je peux aller chercher des séquences qui sont déjà préenregistrées ou sinon je fais les miennes et puis je les enregistre à l'intérieur du Volca Bass. C'est bien, allez, c'est parti. C'est bien. Une autre. Waouh, c'est mortel. Le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est le Volca Keys. Donc j'ai deux boutons ici qui me permettent de régler d'une part la hauteur des notes. Et puis à côté de ça, je peux régler le type de polyphonie que je veux. Donc par exemple, là je suis en poly. Je peux être en unisson. Octave. Après, je peux avoir un truc à la quinte. Waouh. Et puis plein d'autres modes, quoi. Waouh, c'est quoi ce truc? Waouh! Après, vous avez des réglages ici qui permettent de paramétrer le VCO pour... Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Faut tester quoi. Des tunes. On peut détuner, on peut mettre du portamento, on peut mettre de l'enveloppe. Ça fait des tas de trucs bizarres. Un filtre avec une résonance. Parti. Thank you.
Pas mal, non? C'est correct. Tu vas voir tes enfants, Jean-Michel, et puis tu leur dis, je vais te raconter une petite histoire. Tu vas voir. Il était une fois. Ah! J'ai envie de faire une autre séquence. Maintenant, je vais programmer un peu le Volcakis pour voir. Tu la bouges, ta caisse, ouais! C'est pas un Volcakis, en fait, c'est un Volca sirène. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Alors, comme ça, on est en excès de vitesse, hein? Excès de LFO, mon petit, vous savez jusqu'où ça peut chercher? Un son normal, enfin! J'essaie de voir ce que ça donne. Voilà, des petits Volcas sympas. Si ça vous intéresse, allez voir dans la description. Vous aurez des liens pour pouvoir acheter ces Volca Beats, Volca Keys, Volca Mix. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des plein de likes, quoi. Des likes en pagaille, en veux-tu, en voilà. Voilà, des likes. Et si vous voulez plus de vidéos sur le matos, le home studio et toutes ces sortes de choses, vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Où vous trouverez plein de ressources utiles. Allez, sur ces bonnes paroles, je m'en vais. Voilà. Allez, parti.